Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit challenge. Encore une fois, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Là, j'ai eu quelques idées, donc je vais pouvoir en faire. C'est de me maquiller avec ma main opposée de laquelle j'ai l'habitude de me servir. Donc, j'ai l'habitude de me servir de la main droite. Donc, je vais me servir de la main gauche. Et franchement, c'est bizarre la sensation. Ce qui rend un peu compliqué parce qu'on a du mal un peu à gérer la force et aussi à comment je pourrais le dire, à retrouver les gestes que l'on sait déjà faire. C'est vraiment, c'est quand même pas mal spécial. Je pense que je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Alors j'ai pas fait par exemple de liner, de cut crease ou de maquillage extrêmement compliqué. De toute façon, j'aurais pas réussi parce que là déjà j'ai fait ça, mais j'ai quand même eu un peu de mal. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, pour le fond de teint, je voulais essayer une technique qui tourne un peu sur les réseaux sociaux. C'est de mélanger son fond de teint avec de la poudre matifiante. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et il faut pas que je me trompe dans comment faire quoi. Je sais pas trop quelle quantité utiliser, je dois bien l'avouer. Donc voilà mon petit mélange. C'est compliqué. J'ai mis un peu trop de poudre, du coup je vais pas la prendre toute. Je vais essayer d'appliquer avec un pinceau. Oh, j'en ai vraiment pas mis assez. On va dire qu'aujourd'hui, ça sera un teint plutôt léger. Hein, parce que vraiment, quantité de fond de teint, là... Ce qui fait bizarre, c'est que du coup, mon pinceau, il est pas vraiment mouillé. Fin... Et je sens pas non plus que sur mon teint, j'ai appliqué de la matière. Contrairement au fond de teint basique où je sens, parce qu'il a pas encore séché. Là, c'est pas le cas. Je pense que je réessayerai cette technique avec un peu plus de fond de teint, tout simplement. Mince. Le challenge commence très mal. J'étais en train de le faire avec ma main droite et non la main gauche, punaise. Oui, mais du coup, comment je tiens mon pinceau comme... Ah oui, comme ça. Alors, du coup, pour l'anti-cerne. Alors, du coup, il faut que je le prenne comme ça. C'est pas facile, hein, quand même, hein. J'ai l'impression genre que je suis en train de me peindre le visage. Autour de la poudre. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est un peu étrange parce que c'est pas les gestes qu'on a l'habitude de faire en fait. J'ai failli me mettre l'ongle dans l'œil. Oh, je l'ai senti, c'était vraiment sur le bord. Ça se trouve, vous l'avez vu. Je prends mon gros pinceau et la poudre. J'en prélève légèrement. Et je l'applique sur les zones où j'ai pas encore appliqué de poudre. Et je balaye les zones où j'ai déjà appliqué pour estomper le tout. Ensuite, le bronzer. En plus, j'ai pas pris le bronzer le plus facile. Une fois que le pinceau est posé, franchement, ça va. Mais j'ai eu un peu de mal à trouver comment prendre le pinceau. En plus, je force beaucoup plus avec la main. C'est je contracte vraiment. Franchement, j'ai quand même pas mal de chance parce que c'est bien estompé. Hein, parce que pour faire mon fond, je tenais le pinceau comme ça. Enfin, c'est pas du... Je sais pas, c'est trop bizarre. Ensuite, je reprends mon pinceau pour la poudre et la poudre qui est dedans. Je vais un peu le pincer parce qu'il est un peu gros. Et je vais refaire une mise au propre ici. Et légèrement sur le front. Au niveau du blush, je vais prendre le même qui est dans la palette. Oula, mon pinceau il est rouge. J'ai vraiment l'impression que j'apprends à me maquiller. Bien sûr, il y a une joue plus rose que l'autre. Ah, là c'est beau, j'ai pris le mouvement. Pour la lighter, je vais prendre, je sais pas trop lequel, celui-là de ma palette George. En plus, ces fards-là... Ils sont un peu plus secs, donc un peu plus difficiles à prélever. En fait, le plus compliqué, je pense que c'est le côté droit à faire. Et bien, du coup, on va passer aux yeux. Un peu une petite idée de ce que je vais faire. Enfin, du moins, de ce que je veux essayer de faire. Et je me suis pris deux palettes plutôt colorées.
Donc bon, on va y aller maintenant. Dans un premier temps, je vais prendre un fard orange et je l'applique dans mon creux de paupière. Je voulais m'amuser à faire un cut crease, mais je pense pas que je vais tenter l'expérience. Pourquoi c'est autant compliqué? En plus, à force de contracter, ça me fait mal au bras. Oh. Ah, j'ai envie de prendre la deuxième main, enfin ma main droite. C'est énervant. Je vais prendre un pinceau plus gros, estompeur, et le jaune qui est ici pour juste faire les bords. Enfin, je vais essayer du moins. Et franchement, ça fait vraiment mal au bras. Hein. Je vais essayer de reprendre un peu de orange pour intensifier. Et le pinceau jaune sans matière. En fait, ce que je voulais faire de base, c'était un peu un dégradé en mode de coucher de soleil. Mais franchement, j'arrive pas à avoir l'intensité que je veux. Donc, réussir à faire ça, ça va être assez compliqué. Et du coup, je voulais appliquer sur ma paupière mobile un jaune pour finir le dégradé, mais j'y arrive pas. Enfin, j'ai pas réussi à faire ce que je veux. Du coup, je sais pas trop quelle couleur appliquer. J'ai bien envie d'essayer d'appliquer un bleu et en coin interne un jaune. Je sais pas si ça fera pas trop carnaval. Par contre, quel bleu je vais utiliser? Peut-être celui-là, celui du milieu. Alors, ça, je le fais avec le doigt. Alors déjà, il faut que j'arrive à prélever la matière. Plutôt facile. Oh là là, je me creve un œil. Et encore, je suis pas à l'étape du mascara. Franchement, un conseil, n'essayez pas. Je suis obligée de prendre un pinceau pour essayer d'aller partout sur ma paupière parce que là, c'est pas possible en fait. Oh non, j'ai des chutes partout, je m'en ai mis partout. Alors j'ai un peu dépassé avec le bleu. À faire régler. Au niveau du ras des cils. Oh. Je vais prendre un petit pinceau en espérant que bah, du coup j'y arrive mieux. Je prélève le orange. Et je l'applique au ras des cils. Je me rapproche encore plus de mon miroir en pensant que je vais mieux réussir à appliquer l'orange, mais pas du tout. Je reprends le pinceau estompeur avec l'orange et j'estompe. Heureusement que ces fins s'estompent plutôt bien quand même, hein, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Le pinceau avec le jaune, j'en reprends légèrement. Le fameux côté droit. Ensuite, dans le coin interne, je vais appliquer ce jaune là. Je sais pas pourquoi je l'ai fait au pinceau. J'ai pris le pinceau parce que d'habitude je le fais. Enfin, je le fais souvent avec le doigt. Je vais essayer avec le doigt. Ah, déjà c'est plus intense. Et encore, je m'en ai mis dans l'ongle. C'est pas l'intensité maximale parce que j'arrive pas très très bien à le faire. Donc voilà pour les yeux. Le mascara, avant ça, je me recourbe les cils, ça normalement ça va pas être trop compliqué. Ça franchement je crois que c'est l'étape la plus facile. Faut juste que j'évite d'enlever ma main trop brusquement et que ça m'arrache tous les cils. Je vais déjà faire une première couche où je vais surtout noircir mes cils. Et après, j'en réappliquerai une deuxième où j'insisterai un peu plus. Là, le challenge, c'est que là, le manche du mascara ne touche pas mon visage. On va attendre que cette première couche sèche et on va passer aux sourcils. Alors, je vais essayer de les faire au crayon. Déjà que le faire avec sa main avec laquelle on a l'habitude, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à faire deux trucs symétriques. Mais avec sa main dont on n'a
pas l'habitude, c'est autre chose. Encore une fois, j'appuie beaucoup trop. Ça passe. J'essaye bien d'étaler la matière partout pour essayer d'avoir un meilleur rendu, un rendu plus homogène. Et franchement, ce coup de goupillon fait du bien. Alors avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais donc appliquer la deuxième couche de mascara. Franchement, j'ai fait aucune tâche pour l'instant sur cet œil en mettant le mascara, alors qu'avec ma main habituelle, j'en fais tout le temps, enfin tout le temps, on va dire très souvent. Alors pour les lèvres, je sais pas trop quoi mettre. Je vais essayer de mettre un rouge à lèvres liquide mat de chez NYX. Oh là là, là faut vraiment être précis, hein. Donc je vais attendre que la première couche sèche et je vais rajouter le métallique comme ça. Donc c'est un rouge à lèvres métallique liquide de chez Max & More. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous ne reproduirez pas ce challenge parce que c'est vraiment un enfer. Donc je vais vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!